On gogo, let's go, pillage de la Google Plus, mon pote. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux aujourd'hui, hein? Voilà. Bon, dire que la Prime, ça fait 2 jours qu'il essaie de l'y arriver, nous on l'a en 3 heures. Gros. Oh là 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 là. Mec, en plus, Maitri, c'est un boss, mec. T'as pas rec? Oh, t'imagines, ça a été énorme d'entendre ta réaction, gros. Oh, gros, tu nous as tous pété les oreilles, gros. Non. Mais je vais. Attends, Onyx, t'as toujours un homme sur le canon. Je vais quand même te montrer à mes abonnés comment on a fait pour qu'ils comprennent un peu. J'ai encore 48 TNT. Viens, on va y aller, ok. TP Onyx. Onyx, tu pourras venir sur la gueule. Ouais, je vais te TP au cœur après. Tiens, voilà, c'est un canon. Ok, ouais, donc en gros. Pourquoi il y a un autre canon à côté? Bah ouais, en fait, c'est que la Prime. Pour ceux qui comprendraient pas, en fait, ça c'était notre canon à la base. Je l'ai fait péter avec des creepers parce que la Prime nous a claim. Vu que, en fait, Onyx avait pas claim le truc. Onyx aurait dû claim dès le début, mais bon, y a pas trop pensé. On pensait vraiment pas y arriver, en fait. Et à force, on a fait un canon à TNT, en fait, je vais le faire. Tu viens avec moi et Onyx, on va sauter, on va essayer de perdre. Ah merde, j'ai cassé le. T'as pas la glace? J'ai cassé le truc sans faire exprès. Non, j'ai plus de glace. C'est que t'as plus de glace? Non, c'est comme ça qu'on a fait, non? Non. Je reviens. Vas-y, je te laisse la TNT, je sais plus du tout. Je reviens, mec, attends. Vas-y, je vais aller chercher un pseudo, moi, pour le coup. T'as fait info, et normalement, mec, on est premier. C'est bon, on a refait ce premier. Ouais, mais faut continuer. On a pas de la glace, quoi? J'achète. J'en ai, c'est bon. Ok. J'en ai. J'allais en acheter à la GV, gros. C'est bon. Par contre, ça va coûter cher en perles, hein, je vous le dis. Ouais, c'est sûr. Moi, j'en ai encore 4 stacks sur moi si besoin. Voilà. Et là, normalement, il devrait plus te faire chier non plus. Non, hein. Non, non, n'active pas tant qu'avec eux, je pas. Ouais, vas-y, comme ça. Vas-y. Donc là, on active la TNT. Et là, à la haute barre. Et là, quand vous arrivez à peu près ici, faut perles là, tu vois, comme ça. Et là, au bout d'un moment, on va l'avoir. Oh, ils essayent d'aller au-dessus. C'est moi, c'est nous. Ah, c'est toi. On a essayé. J'ai eu peur, on a pas réussi. En fait, et comment. Qu'est-ce qui est arrivé en fait? C'est que X-Ray est tombé pile poil dessus. Le cœur, et gros, il a gueulé, il a pété nos oreilles, gros, un truc de malade. Et finalement, il est arrivé ici, puis voilà quoi, on a réussi à le péter. Quand même qu'on a mis à peu près, 4-5 heures. Hein. Ouais, on a mis vraiment beaucoup de temps, mais il y avait un problème en fait. Je l'explique ça ou pas qu'il y avait un problème ou pas pour le home et tout. Merde, j'ai pas encore chute. T'es mort? Oh, je vais ouais. Dessus. Ah ouais, je t'ai pété en gros. Ok, je vais l'expliquer pour faire play avec tout le monde. En fait, les admins, ils vont faire une limite. En fait, on n'aura pas le droit de poser les cœurs à la plus haut que la couche 254. Non, 254, il nous a dit. Et en fait, problème qui arrive, c'est que les gens font des cœurs comme ça. Attends, je vais juste TP Onyx pour qu'il soit content. Ok, ouais, bah normal, l'autre il est trop con en fait. Il a mis un creeper. Fais juste attendre pour qu'on puisse TP Onyx dessus, ok. Vas-y, c'est bon. Faut assez tombe. En fait, ok, vu que la couche était à 255, à chaque fois quand X-Ray il a eu un ombre dessus, ça nous TP en bas. Et donc, les ennemis l'ont descendu de 1, leur ont redonné leurs points et tout. Enfin, ils ont pas fait des bâtards, quoi, tu vois. Ils ont été sympas avec eux aussi. Ils ont juste descendu le cœur de 1 pour bloquer, vu que c'était un bug, ça devait pas se produire comme ça. Donc là, pour le coup, on peut plus poser les cœurs à 255, faut les poser à 254 pour être... 100% pur. Oh! Attends, ils sont connectés! Ils sont connectés, la Google Plus! Je suis en train de faire regarder la Google Plus! Non, non, dépêche-toi pas, je l'ai poussé en bas! Message, Flavien. Ils sont co la Google Plus. Ok, je l'ai dit vite fait à eux, gros. Onyx, putain, faut pas que tu viennes. Je suis en bas. Je viens de le foutre en bas. Il est monté par ici. T'inquiète. Onyx, fais attention pour pas crever, hein. Tu peux mourir de chute ici en bas. Hein. C'est rempli de trucs en bas là, de stone. What the fuck? Oh, j'ai fail. Pas le cœur. Pas le. Ils vont en claim. Oh fuck. Ah, faut que je me grouille là. Ça change de V. Je sais pas s'il va pas. Je vais essayer qu'il vienne pas dans le claim. Faut l'empêcher d'aller dans le claim. Lolo, y'a quelqu'un en bas. Mais de toute façon, gros, si il unclaim le cœur, je le récupère aussi du full bénéf. Oh putain, je me suis encore chié. Oh non, merde. Il est là, attends. Je le fight, c'est bon. Il a perdu en bas, Attends, je suis en combat. Je vais me cacher un petit peu. Ouais, gros, ça perd, on va pas register, je crois pas que ça perd, on va register. Ça perd, elle register pas. Le cœur, ils ont un claim. Le cœur, il tombe en bas. Sérieux? Ouais.
Yon claim, j'ai récupéré le ventilateur et la vitre. Je crois que c'est l'autre qui a récupéré. Non, c'est bon, j'ai la base maintenant. J'ai la base, j'ai la base. J'y regarde en bas. Il y a les minerais de Tita qui sont tombés. Il y a quoi qui est tombé d'autre? C'est bon, j'ai toutes les pièces, je crois. Il y a combien de pièces qui tombent? Entre 3 et 4. J'ai 3 pièces et j'ai pas le générateur. J'ai la base, le ventilateur et la vitre. Ok, ça va, bah c'est bien, mec. On a quand même deux trucs bien. On est passé premier ou pas quand même? Mais bien sûr que oui, bon, on est passé premier. Oh yes! Wouhou! Yes! Putain, je vais juste dire à la prime. Putain, ils l'ont on claim. Oh, mais gros. Oh, je me fais. Je vais me faire. Attends, on arrête du claim en fait. On arrête du claim, on est trop con. Là, ils vont essayer de nous fight, putain. Tu veux que je vienne? Fight. Putain, je vais venir full Tita. C'est quel genre de mec à me claim, sérieusement? Mais c'est pas grave, enfin, c'est le jeu. Moi aussi, j'aurais fait pareil en fait. J'aurais fait pareil aussi. Hein. Tiens, je laisse ce fight. Je vais TP à Marc. Vous êtes premier de toute façon. Ouais. Désolé, vraiment. On aurait pu vraiment. Oh merde, c'est dommage. En fait, à la base, les gars, pour ceux qui comprennent pas pourquoi la prime était là, c'est qu'on avait fait un accord avec eux qu'on on leur laissait les 30 derniers creepers sur le cœur pour qu'eux ils passent deuxième et qu'eux ils gagnent le deuxième truc. Ils passent devant la Hesitasia. Nous, ça nous arrangeait parce que la Hesitasia, c'est nos pires ennemis, quoi. On va pas se mentir. Ils nous ont battu au truc de faction. Ils nous ont aussi pété notre cœur, comme vous avez pu voir ici. Ils ont attaqué notre cœur juste ici. Attendez, c'est où? Ouais, attaquer un cœur adverse, donc ils ont récupéré tous nos points. Donc c'était vraiment. Pour nous, c'était un avantage que la prime devienne deuxième. Parce que comme ça, là, ils gagnaient 20 points boutique. Et la faction de la. L'Extasy Tazir gagnait seulement 10 points boutique. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même réussi à piller un peu et passer premier. Donc c'était vraiment ça important. Et je sais pas comment ils ont fait pour se connecter en plein milieu. Ils ont vraiment eu un putain de timing, quoi. On va pas se mentir, le timing était énorme pour eux. Mais bon, regarde, au moins on a eu la base, le ventilateur et la vitre renforcée. Ça nous fait un peu d'argent à revendre. On n'a pas dépensé tous nos creeps. On a d'autres pillages. Donc restez à l'affût, les gars. On a d'autres pillages. On a un pillage. Je vais pas vous donner les noms. Mais moi, j'ai deux hommes à des cœurs qui ont un peu moins de points. Mais quand même, l'important c'est qu'on soit premier et qu'on continue à avancer tranquillement. Même si on gaspille peut-être 32 creepers sur une faction qui a 2000 points, ça va nous donner quand même 200-300 points. Ça vaut le coup pour 32 creepers, tu vois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Un gros, gros, gros merci à X-Ray. Je vais mettre la chaîne dans la description si j'oublie pas. Mais allez voir ces vidéos parce que putain, le gars il nous a vraiment. C'est grâce à lui qu'on va gagner la version si on la gagne. Et si on se fait piller. Si on se fait pas piller, bien sûr. Mais bon, la saison termine dans 2 jours. Elle termine aujourd'hui à l'heure que je vais poster cette vidéo là pour vous, mais bon, vous avez compris quand même. Donc vraiment allez voir sa chaîne, un gros merci à lui et puis merci à tout le monde de la faction comme Onyx et tout le monde qui a aidé quoi. Il a dit et moi, mais ouais, j'étais pas rendu là, mais vraiment tout le monde qui a aidé pour le pillage. Il y avait Red Kids, moi et aussi, oh oui, faut que je remercie le cas de la de Shield, c'est lui qui nous a TP en fait. De Shield, à la base, c'est lui qui nous a TP, c'était Bobo085, c'est lui qui nous a TP à l'intérieur et ensuite on a Crash Co pour aller à l'extérieur. Et puis après on a trouvé le cœur et puis voilà, enfin bref, voilà. Je suis trop excité les amis, je vous laisse là-dessus, merci beaucoup.